Le soleil vient de se lever. Non, en vrai, il est 11h moins le quart. Encore une belle journée. La vie ricorée. Coucou, c'est Elise Francis et aujourd'hui, on va préparer un super bon méga petit déj qui s'appelle le miam aux fruits et c'est ce qu'on va faire dans une nouvelle vidéo recette. Générique. Pardon, c'est pour moi. Allez, oh, c'est pour la bonne cause, hein. Ah, bah là, on est bien. C'est vrai qu'on est bien, on a bien fait. Hey, ce cadre est extrêmement près. Mais en fait, j'ai le choix. Soit tu vois la barre de LED derrière moi qui éclaire, soit tu me vois de très près. J'ai opté pour l'option de très très près. Est-ce qu'on peut faire quelque chose, hein? Oui, on peut. Ce qui est cool, c'est que cette vidéo est excessivement, comment dire, authentique, car la tête dans le cul est réelle. Donc il est effectivement tard, mais la tête dans le cul, elle est toujours là. Le miam aux fruits, c'est une recette de France Guilin que tu peux retrouver sur son site internet. Je te mettrai le lien dans la description. C'est une recette à base de fruits, comme son nom l'indique, et ça va donner de l'énergie tout au long de la matinée. Mais tu peux aussi le manger le soir à la place du dîner, si par exemple tu travailles de nuit ou que tu es étudiante de nuit. Tu sais, les nuits blanches, les charrettes, comme on dit. C'est ça la recette. Tu la vois ou pas? Je me souviens que la première fois que j'en ai entendu parler, c'était dans une vidéo de Solange te parle, et à la fin, je me suis dit, waouh, mais trop cool, je vais la faire aussi. Puis le temps a passé et je l'ai jamais faite. Et puis un jour, j'ai un membre de ma famille qui me l'a fait goûter, et depuis, bien écoute, c'est une longue histoire d'amour. Je le fais consciencieusement presque tous les matins. Donc, dans un premier temps, je vais te montrer tout ce dont tu vas avoir besoin en termes d'ustensiles, puis ensuite en termes d'ingrédients, et après, ben, ça va être parti, on va y aller, on va se matcher, on va faire, on va couper, on va rajouter, on va prendre un café, on va faire tout ça ensemble. Pour cette recette, je vais utiliser une assiette creuse, une fourchette et une cuillère à soupe, un couteau qui coupe et une planche à découper, ou un coin de ta table si t'as pas de respect pour ta table, un blender, un moulin électrique ou manuel, bref, quelque chose qui puisse moudre, un presse-agrumes, ou bien tu peux utiliser une fourchette, et du temps, un petit peu de temps, tu verras le temps, c'est important pour cette recette. Pourquoi est-ce que je continue à avancer? Parce qu'avec les ongles, je vais finir par être en face de toi, littéralement. Ensuite, côté ingrédients, la plupart du temps, c'est des demi, mais je vais te les montrer en entier. Il te faut une banane, un citron, et ensuite, il te faut 3 autres fruits, minimum. Donc moi, j'ai choisi de faire craquer mon épaule, une pomme, un kiwi, une poire, et des fruits. Ah, qui se pète la gueule. En plus de tout ça, il faut d'autres trucs. C'est pas la recette la plus light en termes d'ingrédients, c'est clair. Sinon, je t'aurais fait prendre du pain, du beurre, de la confiture, fais-toi un café. Voilà, c'est tout pour cette recette petit déjeuner. Salut. Non, là, on fait le miam aux fruits, il faut plein de trucs. Pour tout ce qui est des fruits, moi, je te conseillerais de les avoir bio, mais voilà, chacun fait comme il peut, chacun fait comme il veut. Si tes fruits sont pas bio, moi, j'enlèverais au moins la peau. Enfin, par exemple, pour le kiwi, c'est logique. Mais je parlais pour la pomme ou les poires. Bon, ça continue. Il faut de l'huile de colza. Pareil, première pression à froid si tu veux bien. C'est bien, c'est mieux. Il te faut un mélange à égale mesure de graines de lin et de graines de sésame. Je vais te montrer. Et après, il te faut un mélange de 3 oléagineux. C'était dur à dire, mais j'y suis arrivée. Donc moi, j'ai pris graines de tournesol, noix de cajou et graines de courge. Ça en fait des choses quand même. Mais tu vas voir, ça va valoir le coup. Comme n'importe quelle recette qui a énormément de succès, il y a beaucoup de personnes qui l'ont adoptée et il y a aussi beaucoup de gens qui l'ont modifiée. Ce que peut-être mon cas éventuellement. Je te dirai quand il faut pas faire ce que je fais. Et France Guilin, eh ben, elle aime pas spécialement quand on la change parce que justement cette recette, elle est faite pour avoir tous les apports, tu vois, ils sont bien calculés. Donc si on les enlève ou si on les rajoute, eh ben, ça va modifier ses apports. Donc pour elle, le but c'est de vraiment coller à la recette au maximum. Enfin, moi je trouve que chacun peut aussi un peu le faire à sa sauce, c'est normal, faut le faire à son goût. Mais je comprends aussi qu'il y a une réelle logique dans les différentes étapes et dans les différents ingrédients qui sont choisis, quoi. Je comprends pourquoi des fois elle est pas contente, France Guilin. Si le miam aux fruits c'est un truc qui t'intéresse vraiment, tu peux par exemple prendre le livre de France Guilin sur le miam aux fruits, ou bien il y a aussi la méthode France Guilin où elle en parle. C'est parti! Dans un premier temps, je prends une demi-banane et je vais venir la couper et l'écraser dans mon assiette. J'ai amené sur la table mon compost gelé. En fait, j'ai de quoi jeter le compost chez moi dans ma ville, sauf que le temps que j'ai une quantité convenable à jeter, je le mets au congélateur parce qu'en fait, avant, je me tapais des mouches ou des fourmis, certainement de la Gendas, moi j'ai du compost gelé. Donc j'ai ma demi-banane et je viens l'écraser à la fourchette. Donc tu y vas, hein, tu donnes tout, faut qu'il y ait plus de morceaux. T'as un compte à rendre avec quelqu'un, c'est avec cette banane que tu vas le rendre, ok? Tu donnes tout. Et t'en mets partout également. Donc faut que ce soit quasiment liquide. Là on est bien, là on est pas mal. Qu'est-ce que tu viens rajouter? 2 cuillères à soupe d'huile de colza. Donc là, j'émulsionne la banane avec l'huile. Et là c'est pareil, il faut mélanger jusqu'à ce que l'huile soit absorbée par la banane. Au début t'as l'impression que c'est impossible, mais en fait ça va se passer vraiment. On y est presque. Donc voilà pour ce qui est de l'émulsion entre la banane et l'huile de colza. Ça y est, elles sont comme ça, tu vois, toutes les deux. Et là, on va venir rajouter un mélange de graines de lin et de graines de sésame. Et après, je vais aller le moudre le plus finement possible. J'ai mes petites graines. Et donc là, je vais venir mettre 2 cuillères à soupe rase de ce mélange.
Alors tu vois, là il m'en reste. Et France Guilin, elle explique bien que si tu veux faire ce mélange de graines et les moudre en avance, c'est tout à fait possible. Par contre, il faut pas les garder plus d'une semaine au réfrigérateur. Sinon, bah, le mélange il s'oxyde et c'est pas terrible. Donc là, tu vois, typiquement, bah, je vais les garder pour mon miam de demain. Mais si jamais il m'en reste encore d'ici une semaine, je les liquiderai dans ma salade ou autre. Sur les légumes et tout, ça peut être pas mal aussi. Allez, on émulsionne. C'est bien, je commence à être réveillée un peu. Voilà, là on est pas mal, là. On est bien. Et avant de mettre le citron, c'est normalement là que tu es censé mettre ton mélange de 3 oléagineux que tu as également moulu. Mais c'est vrai que ça, c'est le seul truc avec lequel je prends des libertés. En fait, je garde mes oléagineux et je les mets à la fin en décoration par-dessus les fruits. Ne faites pas ça chez vous. Donc normalement, c'est maintenant que tu es censé les mettre. Ensuite, ce que je viens faire, c'est que je viens presser la moitié d'un citron. Tu connais l'astuce Top Chef pour faire sortir un peu plus de jus. Tu masses ton citron contre une table. Et là, c'est plutôt au choix. Si t'aimes vraiment quand c'est citronné et que c'est plutôt un gros citron, tu peux garder la moitié du citron. Mais si c'est trop pour toi, France Guilin recommande de mettre au minimum 2 cuillères à café. Moi j'aime bien quand c'est vraiment citronné, du coup je vais mettre tout le demi-citron. Et tu mélanges. Bah là j'ai peut-être mis un peu trop de citron, voilà. Mais c'est la vie. Ce que je fais, c'est que j'étale bien mon mélange au fond de la casserole. Au fond de la casserole. Ok, la meuf est pas complètement réveillée. Ce que je fais, c'est que j'étale mon mélange bien au fond de l'assiette et je vais pouvoir passer aux fruits. Là je vais en ajouter au moins 3 autres en plus de la banane. Et je prends des moitiés. Une moitié de poire, une moitié de pomme, une moitié de kiwi. France Guilin, elle insiste bien sur le fait de couper les morceaux de fruits le plus petit possible. Enfin, petit quoi. La peau, je l'ai enlevée parce que ma pomme, elle est pas bio. Mais celle de la poire, je l'ai juste bien rincée. Ce qui est sûr, c'est que pour le miam aux fruits, le mieux, c'est de varier les fruits. Après, je peux te dire que t'en as assez vite marre de bouffer toujours le sempiternel kiwi, poire et pomme de l'hiver. Et aussi, ce qu'elle précise, c'est qu'on peut mettre autant de fruits qu'on veut, faut juste rester cohérent. Tu vas pas mettre 12 fruits si t'as moyennement faim, tu vois ce que je veux dire. Faut adapter aussi les quantités. Voilà, un peu gros ce morceau-là, hein. Tu te calmes, Francis. Bon. Et tu sais que moi, j'aime bien te parler de mes contradictions. Tu vois, typiquement, je suis toujours un peu scindée entre l'envie de manger de saison et le plus possible local en France. Et aussi, l'envie de varier un peu les plaisirs. Et aussi, d'éviter le gâchis de nourriture. Donc, tu vois, par exemple, je suis au supermarché ou au magasin bio et que je vois qu'il y a une mangue qui va se perdre, je me dis toujours, mince, mais en fait, si je la mange pas, personne d'autre va la manger. Du coup, je finis par acheter une mangue pour pas la perdre, et en même temps je me dis cette mangue elle vient du Burkina Faso. Du coup c'est un peu compliqué de savoir dans quoi tu veux placer ta priorité. Mais bon, comme d'habitude, fais du mieux que tu peux. J'ai aussi, regarde-moi ça comme c'est beau, les premières fraises. C'est tellement la vie, les fraises. Là j'ai plus beaucoup de place sur ma planche, donc je vais peut-être d'abord mettre en place les premiers. Tu peux y aller comme ça, tu vois, tu peux les jeter dans ton assiette. Mais pareil, France Guilin, elle te conseille de faire une jolie assiette. J'avoue qu'une jolie assiette fait toujours plaisir. Soit tu peux tous les mélanger dans l'assiette, soit tu peux les faire un compartiment, tu vois, côté kiwi, côté pomme, côté poire. Si t'as pas envie que les fruits se mélangent, c'est un peu triste, mais bon. Sans le cacher, je suis un peu pas formatée par Instagram, mais je pense que j'aime bien ce qui est assez visuel, et c'est vrai que le fait de séparer les couleurs, pour moi, c'est plus visuel que toutes les mélanger. Et du coup, je fais des allers-retours un peu entre chaque côté de l'assiette. Mais encore une fois, chacun fait sa présentation comme il l'entend, y a pas de problème. Alors depuis avant, je te parle de France Guilin. En fait, elle a fait des études scientifiques, et après, elle est partie à la vole autour du monde pendant 20 ans. Et pendant ce temps-là, elle a continué à étudier, à travailler, elle a eu plein de diplômes, dont un diplôme d'état diététique. Et à partir des années 70, elle a publié plein d'ouvrages, dont la fameuse méthode France Guilin dont je veux te parler. Je pourrais faire un cut et venir passer un coup d'éponge, mais c'est pas ça la vraie vie. La vraie vie, c'est pas des coups d'éponge, c'est quand on a partout, partout, partout. Sauf sur les plans de travail des chefs. Eux, ils ont l'habitude. Donc là, techniquement, tu vois, j'ai 3 autres fruits en plus de la banane. Donc je pourrais m'arrêter là si je voulais, mais là, comme j'ai des fruits rouges en plus, je vais les rajouter. Tellement hâte, c'est les premières fraises que je mange. Oh là là, ça a l'air trop bon. Là, je vais venir rajouter mes myrtilles. Donc là, les myrtilles, elles sont d'Espagne. Parce que nous, on fait pas des aussi grosses myrtilles, je crois. Je vais venir les vraies. C'est pas sympa. Les myrtilles, tu sais, des Vosges, là, les petites myrtilles. C'est des Vosges ou du Jura, je sais pas. Qui sont des toutes petites myrtilles, tu sais, que tu peux manger dans les tartes, dans les confitures. Voilà, je me fais une petite ligne. Oh non, il y a plus de place. Voilà. Au niveau des fruits, même si t'as le choix de mettre tout ce que t'as envie, France Guilin, elle conseille de pas mettre certains aliments comme par exemple les melons, les pastèques ou les agrumes parce que leur digestion elle est trop rapide. Donc normalement là, si t'as suivi la recette correctement, t'as déjà tout. Moi j'ai pas mis les oléagineux quand il fallait, donc je vais venir les rajouter maintenant. En conséquence, je pense de pas respecter l'étape comme il faudrait, peut-être déjà un, que je mets trop d'oléagineux, et de deux, que ça les rend peut-être moins digestes comme ils sont pas hachés. Pourquoi est-ce que je continue à le faire? Je ne sais pas, je suis bornée peut-être. Par contre, ce que je continue quand même à hacher, c'est les noix de cajou parce qu'elles sont un peu grosses. Et après, tu peux rajouter par exemple du miel ou du pollen.
Pour ce qui est des demi-fruits que j'ai coupés, bah, je vais simplement les réserver au frais et m'en servir pour le lendemain. Moi, je suis une adepte du pain confiture le matin ou brioche confiture le matin. Et c'est vrai qu'au début, quand je mangeais mon assiette, j'étais là. C'est pas aussi réconfortant que la brioche et de la pâte à tartiner. Mais c'est vrai qu'à force de le manger, déjà d'une, je prends plaisir à le faire parce que je me dis, ouais, vas-y, je me fais plein de petits trucs pour mon corps, c'est cool. Je sais que ça me fait du bien. Et surtout, en vrai, au niveau de l'énergie, je peux tenir jusqu'au repas, voire même des fois jusqu'à 15h sans avoir faim à 11h. Et c'est pas une histoire de vouloir forcément réduire les quantités. Moi, c'est vraiment de me dire que j'ai pas forcément besoin de me préoccuper de grignoter un truc pour tenir plus longtemps. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu une histoire de gain de temps finalement, mais c'est surtout que je sais qu'au final, ça fait vraiment du bien à mon estomac. Parce que des fois, quand je mange trop de gluten, ben, ça fait... J'aurais pu cacher ça, mais ouais. Ça fait littéralement ça dans mon intestin. Je suis franche avec toi. Là, maintenant, j'ai vraiment plaisir à le faire, j'ai vraiment plaisir à le préparer et à le manger. Et ça, c'est un truc très important pour France Guilin. Il faut bien mâcher. Beaucoup. Elle conseille de le manger, je crois, entre 30 et 40 minutes, l'assiette. Ce qui, je suis consciente, peut paraître long, entre le temps de préparation et le temps de dégustation, on va dire. Mais en même temps, c'est vrai que ben, plus tu mâches, et mieux c'est pour ta digestion aussi après, et pour l'assimilation des nutriments, si j'ai bien tout compris. Bon bah voilà, notre miam aux fruits est prêt. Moi, je suis là avec ma cuillère. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi et lâche un pouce en l'air. Bon, moi, j'espère que ce moment qu'on a passé entre toi et moi et mon haleine matinale t'a plu. Et j'espère aussi que ça t'a donné envie de prendre du temps pour préparer ton petit-déj, quitte à vraiment avancer la veille. Tu vois, tu peux couper les fruits en avance, tu peux faire ton mélange de graines en avance. Au final, ça prend quand même moins de temps. Et puis, si tu fais le miam aux fruits depuis un bout de temps ou bien que tu vas te lancer là avec cette vidéo, bah, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je suis toujours contente quand on discute et quand on échange nos bons plans, nos recettes. Je te souhaite une super semaine et je te dis à lundi prochain à 18h sur cette chaîne. Je te fais plein de bisous et bon appétit. Bon bah voilà pour notre miam. Fais-toi un thé ou peut-être un café. Mais des fois c'est un peu acide le café avec le mélange de fruits, du coup je le mange après. Peut-être que t'as pas besoin de savoir tout ça. On va s'arrêter là, j'ai tendance à donner trop de détails.